Au fond, mon frère, je crois sincèrement qu'il est un grand temps pour que tu puisses te trouver une bonne femme pour te tenir compagnie. Il y a de cela une année que ta femme est morte. Tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu te maries. Hein? Trouve-toi une femme pour te tenir compagnie. Félix. Je pense que tu as vraiment raison. Oh oh. En fait, je pensais à ce sujet. Oui. Tu sais que j'ai passé toute ma vie au nord. Et depuis que je suis de retour, je n'en sais plus trop de la population d'ici, de cette communauté. Donc, si tu dis que j'en ai besoin, oui, j'en ai besoin. Mais, à mon âge maintenant, tu vois, avec mes barbes, tu vois qu'elles deviennent grises. Donc, je n'ai besoin d'aucune femme qui va me donner des maux de tête. Et dans le domaine de Ifeditie, tu sais ce que je veux dire. Ifeditie, c'est d'ailleurs ce que je voulais te dire. Tu es encore un jeune homme et tu as besoin de gbagbagba. Écoute, laisse-moi te dire, il y a plein de belles filles dans cette communauté. Je vais faire les tri moi-même et t'en trouver une. Tu feras ça pour moi? Crois-moi. Ah, ça sera génial, hein? Mais s'il te plaît, comme je l'ai dit, je prends de l'âge. Donc, ne me donne pas celle qui va me tuer prématurément. Je sais exactement ce que tu veux. Et ce qu'il y a de mieux pour toi. Il te faut juste une femme qui a un gros cul. Tu veux me tuer? Non, non. Je te supplie, regarde mes barbes. Hein? Laisse-moi te dire une chose. Les femmes minces sont méchantes. Mais les femmes grosses, un petit geste, elles vont crier et oublier. Félix. Je te parle par expérience. Écoute, Félix. J'ai demandé une femme. Et non une fille. Tu sais, les filles d'aujourd'hui ne peuvent pas prendre soin des hommes. Elle est trop jeune. Mon frère, cette fille est une très bonne fille et qui travaille dur. Elle vient d'une bonne famille. Je connais bien son grand frère. C'est un ami à moi. Elle prendra bien soin de toi. Ne t'hasarde pas. Crois-moi. Bien, si tu le dis, j'espère qu'elle sera une bonne femme. Tu sais, écoute, tu sais que j'ai encore des enfants dont elle doit m'aider à m'occuper. Hein? Alors écoute-moi maintenant. Hein? Oublie l'âge. Osioma est bien éduqué. Tu me comprends? Tes enfants sont presque déjà adultes. D'ici là, ils vont se marier et être indépendants. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est quelqu'un comme elle qui prendra soin de toi. Crois-moi. Mais, comment elle est si jeune comme ça? Tu sais, non? Le côté d'Ifeditie. Non, Ifeditie, t'es encore fort, t'es encore puissant. Hein? Je vais te donner Gougou. Hey, mélange, exact. Racine. Oui. Tu es vraiment un gars. Ouais. Ma fille, bienvenue. Hein? Bienvenue, ma future femme. Hey. Tu as fait un bon choix. Papa, la raison pour laquelle ma sœur et moi sommes revenus ici, c'est pour te voir, afin de pouvoir discuter de ce problème. Et le plus tôt que nous aurons parlé de cela, mieux ce sera. Papa, la vérité est que tu n'as pas besoin d'une femme. Ouais, dis-moi, pourquoi as-tu besoin d'une femme, toi, à ton âge? Je n'ai pas besoin de femme. À cet âge, n'est-ce pas? Ben ouais, c'est ce que je dis. Ok. Comme tu es mon père, qui sait quand j'étais né? Dis-moi, quel âge ai-je? Non, dis-moi. Quel âge? Tu te regardes? Écoute, je suis un homme. J'ai du sang et de l'eau qui coulent dans mes veines. Comment peux-tu me dire ce que j'ai besoin et ce que je n'ai pas besoin? Hein? Écoute, je suis vraiment déçu de toi. Toi, au fond, c'est toi qui dis ça. Écoute, j'ai besoin d'un compagnon. Tu es déjà âgé et tu sais de quoi je parle. Je te vois avec ces gens, tu sais de quoi je parle. Hein? J'ai besoin d'une concubine en ce moment. J'ai besoin de quelqu'un qui peut satisfaire mes désirs. Vous pensez que votre mère ne me manque pas? Elle me manque gravement. Et j'ai besoin de sa remplaçante. Papa, soyez un peu réaliste. Maman n'est plus, c'est vrai. Si tu te maries avec une femme maintenant,
Cette femme cherchera à avoir des enfants. D'autres enfants que nous. Et tu sais très bien comment est-ce que cette merde-là marche. Elle placera ses propres enfants bien avant nous et tu... Moi en tout cas, cette idée ne me plaît pas du tout, papa. Pense-y un peu, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin d'une femme. Alors qu'est-ce qui est mauvais avec ça? Non, dis-moi. Qu'est-ce qui est mauvais? Combien vous êtes pour moi? Qu'est-ce qui est mauvais d'avoir un ou deux de plus? Qu'est-ce qui est mauvais? C'est mauvais, papa. Hein? Tu ne sais pas que les enfants sont des dons divins? Papa, Nam, nous savons ce qui est bon pour toi. Voilà. Si tu veux rester avec quelqu'un, on peut choisir un d'entre nous qui peut rester avec toi, papa. Ça fait rien, ça fait quoi? Voilà, c'est exactement ce que je disais. Regardez-moi cette petite. Vous savez ce qui est bon pour moi. Comment? Vous allez arranger quelqu'un qui prendra soin des travaux domestiques. Voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Et moi, au fond, je suis synonyme des travaux domestiques. C'est ça? Donc, cette même personne prendra soin de moi. Ok, vous allez arranger une autre personne qui prendra soin de moi. Ce n'est pas ça? Écoutez, vous tous, vous êtes égoïstes. Oui, vous êtes égoïstes. Vous ne pensez qu'à vous seul. Regardez-vous. Toi, tu penses que je ne te voyais pas quand tu courais derrière cette petite fille à Joss? Toi qui es censé savoir que je suis un homme, que j'ai besoin de certaines choses, c'est toi plutôt qui orchestre ce plan diabolique contre moi. Pour être sûr que je souffre jusqu'à ma mort. Ceci est absolument un non-sens. C'est absolument un non-sens. Ok? Mais pourquoi ne pas me laisser en paix? Hein? Laissez-moi me satisfaire. J'ai besoin de quelqu'un qui prendra soin de moi et non une bonne. Vous voulez que je meure? Vous voulez que je souffre jusqu'à ce que j'entre dans ma tombe? Sans effet. Papa, tu ne mourras pas haut. Amen. Père Abraham, sœur Ijoma. Pour éviter le péché et vivre en Dieu, vous devez supporter, papa. Hein? Cette chair que nous voyons, elle n'est rien du tout. Elle est très très faible. La Bible le dit clairement. Le corps est le temple du Dieu vivant et nous devons nous abstenir de tout désir de la chair. Dont nous pouvons citer la fornication et l'adultère. Et toi, tais-toi là-bas, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vois pas que tu... Faut pas le faire. Et pourquoi ne devrais-je pas le faire, papa? Nous parlons d'une chose très importante et lui est en train de parler de la Bible. La merde que tu racontes, tu es sûr que c'est dans la Bible, hein? Mais bien sûr. Voyez-moi que ce petit en train de parler des histoires de la Bible. C'est comme ça que tu te comportes toujours, hein? Non, mais c'est quoi ce bobard? Ah! Très tôt le matin comme ça, alors qu'il y a des gens qui dorment encore, te voilà en train de crier et de dire n'importe quoi. Tu te regardes? Est-ce que tu sais que tu es un instrument du diable? Regarde, un garçon né de nouveau ici qui te dit ce qui se trouve dans la Bible. Ah non, je suis pas sûr que c'est cette chair, elle est faible et c'est dit dans la Bible. Où ça? Et en fait, Paul l'a dit que si tu ne peux pas te retenir, il faut te marier. Et c'est pourquoi je veux me marier, papa, parce que je ne veux pas me forniquer. Retiens-toi, papa. Mais tu la fermes, que je me retienne. Pourquoi toi tu ne te retiens pas? Ah, Odioma. Odioma. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que tu vas encore? Hey, Dieu, voyez-moi cet homme. Je sors. Tu me demandes qu'est-ce que c'est? Que tu sors? Et les enfants? Quand ils retournent de l'école, qui va prendre soin d'eux? Hey, voyez-moi ces problèmes. N'est-ce pas tes enfants? Et est-ce que tu vas quelque part? Tu me poses des questions stupides. Si je vais quelque part, est-ce que tu vas bien? Enfant, Jidena et Obin sont tes enfants. Alors prends soin d'eux à leur retour. Ma vie ne peut pas seulement tourner autour d'eux. Je dois sortir comme mes amis et chercher quoi faire de ma vie. Je suis trop jeune pour rester scotché dans cette baraque. Excuse-moi. Odioma! Odioma! C'est bien. On se verra.
Ojama. 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 Aïe. Donc, c'est la femme que j'ai mise dans ma maison comme épouse. Elle est complètement bourrée. L'état du lieu où tu veux que je vive, c'est une porcherie, c'est un taudis. Enfin, ouvre-moi cette porte. Enfin, ne me cherche pas, ouvre-moi cette porte. Enfin, écoute, j'ai pas envie de beaucoup parler, ouvre-moi cette porte. Enfin, donc tu cherches à ruiner ma vie, n'est-ce pas? Tu as déjà gâché la tienne, tu veux faire de même avec moi? Je suis encore jeune. Enfin, tu veux me tuer, oh. Tu veux gâcher ma vie? Je suis encore trop jeune. Enfin, ouvre-moi cette porte! Ouvre-moi cette porte! Enfin, ouvre-moi cette porte! Enfin, tu vas me tuer! Tu vas me tuer pour rien! Ouvre-moi cette porte! Enfin, tu vas me tuer! Enfin, je suis fatiguée avec cette vie! J'en ai ras-le-bol de cette vie! Enfin, je n'en peux plus! Je vais mourir ici! Ouvre-moi cette porte! Enfin, ouvre cette porte! Enfin, je vais mourir! Ouvre-moi cette porte, enfant! Enfin! Enfant! Ouvre cette porte! Enfant, tu vas me tuer! Oh. Je vais mourir! Ouvre la porte! Enfant! Ouvre la porte, tu vas me tuer, enfant! Ah mon Dieu! Enfant! Enfant, ouvre la porte! Je vais mourir! Tu vas me tuer! J'ai dit que je ne veux pas! Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas! Ah! Ouzioma! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux dire, de quoi parles-tu? Je ne veux plus de ces mariages. Je ne veux plus. Je rentre chez mes parents. Qu'est-ce que c'est? Tu veux partir? Oui. Mais à qui tu laisses Jidena et Obi? Hein? Tu veux les laisser seuls ici pour que je m'en charge seul d'eux? Enfin, n'est-ce pas que c'est tes enfants? Bien sûr que oui. Ne sont-ils pas tes enfants? Ils vont rester ici avec toi. Si tu ne veux pas d'eux, alors jette-les dehors. Débarrasse-toi d'eux. Attends, que je jette tes propres enfants dehors? Oui, je répète, jette-le. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Jette-le. Écoute, Ouzioma, s'il te plaît. Si je t'ai offensé d'une manière ou d'une autre, pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas seul prendre soin d'eux. S'il te plaît, pardonne-moi, Pico. Écoute, Ofo, la vérité est que je n'ai jamais voulu de toi. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais encore là? Qu'est-ce que je fais ici? Je m'en vais rassembler mes affaires. Ouzioma. Ne m'arrête surtout pas. N'essaye pas de m'arrêter. Tu ne vas nulle part. Tu ne vas nulle part. Viens, ah, qu'est-ce que c'est? Je te supplie, tu continues toujours à faire ta tête. Mais qu'est-ce que c'est? Espérons juste que nous aurons une solution. Ma belle famille, soyez les bienvenus. Ah, merci. Oh, Nietzsche, merci. Bien, mais bof. Je viens de parler avec ma sœur Ouzioma. Et elle insiste qu'on doit lui accorder le temps pour qu'elle en pense. Je suis désolé, mais vous devez partir pour l'instant. Comme ça, nous allons prendre le temps de discuter avec d'autres membres de la famille et revenir vers vous avec une décision. Désolé. Bon frère, tu as bien parlé. Mais selon nos traditions, une femme qui quitte la maison de son mari pour aller habiter ailleurs est en train de se salir
Alors c'est important que vous puissiez prendre une bonne décision. Mobo, qu'est-ce qu'elle a dit exactement comme son problème? Oui. Parce que je ne me rappelle pas d'avoir fait quelque chose de mal à elle. Hein? Au fait, elle ne m'a pas vraiment donné une raison. Au moment où je vous parle là, je suis moi-même également perdu. Comme vous. Nous avons entendu ce que tu as dit, mon ami Nadi. Mais n'oublie pas de lui rappeler les conséquences de cet acte. Si elle est vraiment prête à subir les conséquences. J'espère que tu comprends et tu sais de quoi je parle. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Mes beaux frères, ne vous inquiétez pas. Je vais lui parler encore. Mais mes beaux frères, pourquoi ne prenons-nous pas un peu de noix de cola? La boisson est là. Servez-vous, allez-y. Non, nous allons bien. Il n'y a pas de problème. Même toi? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Donc, des jours deviennent des semaines deviennent des mois deviennent des années, jusqu'à aujourd'hui. Je dois te le dire que votre mère m'a vraiment manqué quand elle est partie. Mais il n'y a rien que je pourrais faire. Mémé sont liés par la tradition. Désolé que je ne pourrais rien faire pour l'aider. Même si je voulais le faire. Du côté de votre mère, elle n'a vraiment jamais voulu d'une quelconque aide de qui que ce soit. Quel a été son problème? Je ne pourrais le dire. Papa, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ça va. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le jour où tu vas te marier. Hein? S'il te plaît. Je te conseillerais de tout faire en puisant dans ton passé afin de faire réussir ce mariage. Je sais que tu peux faire ça. Est-ce que tu me promets? C'est promis, papa. Je ferai ta fierté. Ça, c'est ma fille. Désolée pour le dérangement. J'aimerais juste vous signaler que c'est déjà prêt là-bas dehors. D'accord, c'est bien. Je dois partir maintenant. Hein? Je dois aller accueillir Nobo. Donc, sois préparé. Tu accueilleras bientôt ton futur mari. Ok? D'accord. Prends soin d'elle. Merci, monsieur. D'accord. Ma chérie, ils sont déjà là pour de vrai. Prends les miroirs. On doit ajouter un peu de poudre pour que tu sois encore très belle. Mon chéri est là oui, aussi. Oui, ça va aller. Tu seras très belle. Ok. Allez, okay. Regarde. Oh, allez, Afam. Tu n'es pas content pour moi? Allez, mon gars. Chima, oui. Écoute, je n'ai jamais approuvé cette relation. Et jamais je ne l'approuverai. Jusqu'à ce que je saurai ce que tu cherches. Hein? Et laisse-moi te prévenir. N'ose jamais faire du mal à ma sœur. C'est compris. Car si tu le fais, Chima, je ne serai pas content avec c'est toi. C'est compris. Je Allez. Ne serai pas du tout coopératif avec toi. Allez, Afab. Notre relation est bien plus qu'une amitié. Nous sommes une famille maintenant, je veux dire, nous sommes beaux frères, toi et moi. Si jamais tu faisais du mal à ma sœur, je ne serais pas content avec toi. Je te préviens. Allez, Afam. Tu vois, tu sais, écoute, il n'y a pas question des Afam. Oh mon Dieu. Car si tu fais du mal à ma sœur, ma Fakani. Mec, relax, relax, ok? Ce n'est rien du tout, relax. Écoute, j'aime ta sœur, frère. Je l'aime profondément, je te dis vrai. Comment puis-je faire du mal à une femme que j'aime? C'est impossible. Chima, je te surveille. Mes yeux sont sur toi. D'accord, maintenant, c'est plus bon, que jamais, bon. Je te surveille. Donc, j'en ferai d'accord. Pareil aussi, alors. Ta sœur, ma femme, je l'aime tendrement, je te dis.
Comment puis-je faire du mal à une femme que j'aime? C'est pas possible. C'est insensé. Je te surveille. Hé hey mec, écoute-moi très bien. Hé, hey, Afam. Je te surveille. J'espère que tu as bien compris la situation. Je n'apprécie pas ce que vous faites à maman. Laissez-la entrer, hein. Après tout, tu es son fils. Tu es son sang. Je te supplie pardon, Biko. Vois comment on la traite comme un paria au mariage de sa propre fille. Hein, Odunoma. Pour une fois, je vais t'appeler Obiageli. Obiageli, écoute-moi. Tous ces gens sont le dernier de mes problèmes. Ils ne font pas mes soucis. Ils ne sont pas mes problèmes. J'ai d'autres choses auxquelles penser. J'ai des affaires florissantes auxquelles je réfléchis. Ces gens ne sont pas mon problème. Ils ne sont rien devant moi. Parlons d'autres choses, s'il te plaît. Allez, tu ne rencontres pas ma préoccupation. Sois une fois de mon côté, hein. Essaie de me comprendre, s'il te plaît. Orbi, il n'y a rien auquel penser. Tu n'as pas les yeux, tu n'observes pas. La femme est juste jaloux de nous. Ouais, c'est clair. Mais laisse-moi te dire, je vais les faire descendre l'un après l'autre. Tu vois ces gens qui sont assis là-bas? Ils sont tous pour moi des ennemis. Tu penses qu'ils nous aiment? Pardon, soulève un autre sujet. Ah, Obi, depuis que je t'ai cherché là-bas, non? Hein? Viens. Il est temps de donner à ton mari la boisson. Fais vite. Avance vite. Entre. Regardez-moi un peu celle-là. Pourquoi toi tu es si pressé? Est-ce que c'est ton mariage? Est-ce que c'est toi qui as organisé le mariage? C'est quoi ça? Papa, tu vois, tu es tellement vieux maintenant. Je veux dire, tu ne peux juste pas rester seul dans cette maison. Tu as vieilli. La femme a raison. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Oui, je ne peux pas rester ici toute seule. Des fois, tu peux avoir besoin de quelqu'un la nuit. Oui. Dans la nuit. Eh bien, je vois que vous deux, vous avez bien préparé ceci. Hein? Mais je suis désolé de vous décevoir. Je ne vais nulle part. Je veux dire, à cet âge, je ne peux pas quitter cet endroit. Hein? Mais cessez de vous inquiéter à propos de moi. Je peux bien prendre soin de moi-même. Papa, non, tu ne peux pas. Et alors la cuisine? Qui va commencer à préparer pour toi? Laver et nettoyer la maison. Papa, tu vois, j'ai une grande maison à la cité. Une très grande maison, je veux dire, où on peut bien s'occuper de toi. Ok, tous mes enfants sont à l'étranger. Tu vois, ils étudient là-bas. Alors, tu peux venir rester avec nous. Afam, cesse de te gêner. Je ne vais nulle part. Papa, t'es vraiment compliqué. Je crois que tu as compris maintenant d'où nous avions hérité de ce comportement. Mais t'inquiète, je suggère que nous prenions pour lui un domestique. Quelqu'un qui pourra l'aider avec quelques travaux ici. Hein. On va les payer mensuellement. Oui, tu as raison, c'est une très bonne idée. Toi, va juste trouver un domestique pour papa. Oui, tu vois, puisque vous deux, vous êtes dans ce village. Ok? Et il sera très important pour toi de venir lui rendre visite, même deux fois par semaine, pour savoir comment il se porte. Je le ferai. Je ne comprends pas. Vous vous gênez comme si je suis un enfant. Hein? N'oubliez pas, je suis votre père. Hein? Papa. Hein? Nous voulons juste le meilleur pour toi. Ok, maintenant, vous planifiez tout ceci. Mais vous n'avez pas pensé à quelqu'un qui utilisera quelque chose pour gratter mon derrière. Papa! C'est juste pour vous taquiner. Maman, écoute, de quoi s'agit-il? Maman, ton visage ne me plaît pas. Hein? Pourquoi laisserais-tu quelqu'un te gâcher l'humeur? Ne sais-tu pas que tu es belle? Ne permets pas que ce qui s'était passé pendant le mariage de ma sœur te trouble. Tu as toutes les raisons d'être heureuse. Je sais juste voir si je peux arriver à digérer cela. Je veux dire, je n'ai jamais été aussi humiliée comme ça a été ces jours-là. Hein? Et tout le monde qui était contre moi, qu'est-ce que je les ai fait? Maman, ça s'appelle politique du village. Tu ne peux jamais leur plaire parce que j'ai réussi. Ton fils est prospère.
Ne te soucie pas de ce que disent les gens. Oh, fous-moi Djendjemba. Maman, c'est ton fils. Hein? Ne regarde pas ses chances. Écoute, le mois prochain, je reviendrai pour compléter ma maison. Hey. Hmm? Tu sais que ton fils a de l'argent. Je le sais bien, mon fils. Je le sais. Ils sont tous jaloux. À propos, as-tu résolu le problème avec Afam? Qui est Afam? D'où vient-il? Je n'ai aucun problème avec celui-là. J'irai directement à la direction générale à Abuja. Okay. C'est là-bas que j'irai l'écraser. Oh, hein? C'est important. Très nécessaire. C'est vraiment important. Je n'ai plus à me faire face à lui. Hey, mon fils. Un c'est moi, non? Avec 40 rien problèmes. Rien ne me fait peur. Tu es vraiment terrible, mon fils. Dieu a finalement fini par exaucer ma prière. Hey, oh, je suis très contente. Dieu est grand, pour toi, vraiment. Enfin, merci, merci beaucoup. Ah oui, je suis maintenant un homme marié. Hey, oh. Oui, oui, oui. C'est ça. Hey, vas-tu pour moi? Hey, mon fils, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé d'un arbre. Mon fils. Il est tombé d'un arbre. Emmène-le vite à l'hôpital. C'est quoi le problème? Ma voiture se trouve de l'autre côté. Allez, vite. C'est pas vrai. Ma fille. S'il te plaît, viens. Oh, bienvenue, monsieur. Mmh. Va me chercher de l'eau, d'accord. Ok? Viens. Viens avec mes médicaments aussi. Hein. Oui, monsieur. J'ai de sérieux maux de tête. D'accord. Papa? 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 Au secours! Papa? Papa, je t'en prie, réveille-toi. Papa? Au secours! Papa? Papa, je t'en prie, réveille-toi. Enfant, Lopo. Papa. Papa, je t'en prie, réveille-toi. Mon oncle, papa. Odini, qu'est-ce qu'il y a? Papa ne se réveille hein? pas. C'est quoi? Il ne se réveille papa. Pas. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y, allons-y. Mon pourquoi oncle, il dort comme ça? Est-il ivre? Je ne sais pas, je ne sais pas. Enfant? Enfant? Hé! Hey! Mon frère, mais papa. Qu'est-ce qui se passe, hein? Enfant? Papa. Oh mon Dieu. Enfant? Au fond, mon qu'est-ce oncle, qui lui est arrivé? Hey, ah mais quel est quoi non? Un baobab est tombé au fond. Au fond? Hey, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Hein? Je sais pas, mon oncle. Au fond, arrête ce que tu fais là. Réveille-toi. Ne me fais pas ça. Oh. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Hey. Hein? Au fond? Hey. Le baobab est tombé. Incroyable. Hey! Incroyable. C'est vraiment incroyable. Odkosisiada. Oh mon Dieu. Hey! Le baobab est tombé. Incroyable. Laisse-moi te dire une chose, Ichie. Mieux vaut avoir une mauvaise femme que d'avoir un mauvais fils. Tu as raison. Okana Bojidona. Koboa femme. Ils ont tourmenté cet homme sans paix. Et j'avais dit à mon frère Ofana. Hey!
Mankundo Wao. Que Dieu l'interdise. Hé! Hey! À quel âge? Ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ujoma. Où est mon père? Où est mon père? Papa! Papa! Ujoma. Papa! Calme-toi! Ujoma, calme-toi! Ça va aller, ça va aller, ok? Le docteur a dit qu'il répond au traitement, ok? Et nous devons juste continuer de garder espoir, ok? Et je dois de nouveau aller à Abuja demain. Et je crois que je t'ai donné de l'argent pour toutes les dépenses. Et ne t'en fais pas, ok, Sœurette? Je vais m'occuper de tous ces frais médicaux à la perfection. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Il n'y a pas de quoi. Ok, ça va aller. Tima, que je te bénisse. D'accord. Que mon Dieu se souvienne de ça toi. Ça va aller, Sœurette, ok? Ça va aller. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu dois te dépêcher d'aller à l'hôpital avant qu'il ne se réveille, d'accord? Une minute, excuse-moi. Allô? Qui? Mon beau-père? Quand? Comment? Oh mon Dieu! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Sœurette! Hein? Mon beau-père vient juste de mourir. Jésus! Hé! Hé, Timo! Hé! Bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Était-il malade? Du calme. C'est juste un rêve. Rendors-toi. Chérie, tu vas bien? Allô, Ijoma. Quoi? Allô, Ijoma. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de pleurer, parle-moi. Quoi? Quand? Chérie, doucement, doucement, calme-toi, chérie. Doucement, chérie, allez. Calme-toi. Laisse-moi d'abord, laisse-moi. Dites-moi,
Qu'est-ce qui se passe papa, ici? Papa, vous venez d'arriver. Obi, okay, c'est bon, Obi, vous Obi, bonjour. Papa. C'est quoi le problème? Obi, papa. Obi, papa. Non, c'est papa pas vrai. N'est plus. Obi, non, c'est papa pas vrai. Parti. Non, papa regarde. Est mort. Arrête, c'est pas vrai. Non. Papa, non. Papa n'est pas mort. Non, chérie, calme-toi, Non, Bébé, c'est bon, laissez-moi d'abord, laissez-moi. Allez, papa, chérie. Papa, c'est bon. Papa. Papa, va à l'intérieur et prends tout ce que tu veux, puis partons. Bébé, c'est pas ce qu'on s'était convenu. Arrête ça, on y va. Écoute, mais je te donne feu vert d'y aller. S'il te plaît. Bébé. Ma sœur. Ok. Obi. Qu'y a-t-il? Obi, qu'y a-t-il? Pourquoi tu pleures? Mais tu as arrêté de pleurer et me parler. Qu'y a-t-il? Papa. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu, s'il te plaît, arrêter de pleurer et me répondre? Tu es un homme, allez! Essaie d'être fort et réponds-moi, s'il te plaît. Bébé, mais où est-ce que tu vas? Mais on ne doit plus partir? Monte de la voiture, sinon je te laisse ici. Bébé! Alou, hey! Alou! Hey! Ozioma, où est-elle? Je savais que ces jours viendraient. Oh mon Dieu, mais c'est encore quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Hey! Si tu savais combien ta voix m'a réveillé de mon sommeil, hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est au fond. Je viens d'être au coin du village. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il vient de mourir. Chimo? Hé, hey, Naï, comment? Es-tu sûr de ce que tu dis? Oh oui, la nouvelle est partout dans le village. Mon Dieu. Sa mort s'est répandue. Mon Dieu.
Frérot, ma sœur, avez-vous entendu? Ofo est mort. Oui, nous l'avons appris. C'est un très grand problème. Je le savais. Nous avons un très grand problème maintenant. Je savais qu'un jour pareil viendrait. Mais je ne savais pas que ça viendrait aussitôt. Où est ce singe à femme? Pourquoi nous fait-il attendre ici? Moi, je suis fatigué. Oh. Je suis très fatigué. Que veut dire tout ceci? Hein? Devons-nous attendre ce gars? Est-il Jésus-Christ? S'il vous plaît, commençons la réunion. Pardon. Cette réunion ne peut pas commencer sans Afam. C'est lui le représentant de cette famille. Le fils est né. Nous allons continuer à l'attendre. D'ailleurs, il a dit qu'il n'est plus loin. Attendons-le. Attendons-le. Je pense que c'est la chose juste à faire. C'est la chose juste à faire. Pas de problème, non? Il n'y a pas de problème. Moi, je vais aller à l'intérieur. Hein? Que veut dire tout ceci? Hein? Chaque fois que nous avons un problème à régler, hein? On ne le trouverait pas. Pourquoi femme se comporte comme ça? Jidena, calme-toi pour le respect de ton défunt père. Nous ne sommes pas ici pour nous battre ou distribuer le pouvoir. Comme tu le vois, nous avons perdu quelqu'un qui procurait la paix. Nous sommes censés faire les choses telles qu'elles doivent être faites. Alors calme-toi, hein? Pas de problème, non. Félix, je t'ai entendu. En attendant, je serai à l'intérieur, hein? Quand il arrive, vous me faites signe et je sortirai. J'aime tant ces femmes qui pleurent à l'intérieur, hein? Donc je vais aller les rejoindre. Jean 3, 16. Assieds-toi, Judena. J'ai dit assieds-toi! Qui penses-tu que tu es? Quel est cet argent que tu as qu'aucune autre personne n'a touché? Si tu oses quitter cet endroit, je vais te maudire. Éternel Dieu, nous te remercions. Nous te rendons grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu es Dieu. Père, tout ce que nous te demandons en cet instant, c'est la paix. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence qui est manifeste en ces lieux. Merci pour ta paix. Ta paix, papa, donne-nous la paix en cet instant. Je suis vraiment désolé. J'ai eu une crevaison en venant ici. Mais aussi, mon moteur a eu à se surchauffer. Oui, je suis vraiment désolé. Je vous salue, les anciens. Bienvenue. Oh, salut aussi. Bienvenue. Donc ça c'est vrai. Et donc ça c'est vrai. Afam, apaise-toi. Reviens à toi-même. Hein? Maintenant que tu es là, Afam, nous devons aller directement au sujet du jour. Exact. Nous sommes témoins de ce qui s'est passé. Personne ne s'y attendait. Afam, nous devons à ton père un enterrement décent, selon les traditions de nos ancêtres. C'est toi le fils aîné de Ofo, et nous ne pouvons rien faire sans ta direction. Mes anciens, je suis fortement derrière vous, ok? Nous allons enterrer notre père selon la tradition de notre village. Problème T. Pour ton information, Afam, la femme de ton feu père devra habiter dans une maison délabrée. Quoi? Ça, c'est selon nos coutumes et traditions. Et ça, c'est le seul moyen pour elle de pleurer son mari. Et toi, pourquoi tu dis choses pareilles? Pourquoi ça? Pourquoi son lit fille quadroma? Pourquoi dis-tu choses pareilles? Ma mère ne va pas pleurer son mari dans une case délabrée. Ça ne peut pas arriver. Je ne peux pas permettre ça. Hein? S'il vous plaît, changez de sujet. Ta mère ne peut pas poser ses pieds dans cette maison. Parce que selon nos traditions, elle est considérée impure. Pardonnez-moi les anciens. Frérot, au fait, vous ne voyez pas que cela n'est pas juste parce que la Bible nous amène à comprendre... Peux-tu la fermer? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes là en train de parler de nos traditions. Les traditions de nos ancêtres. Et tu veux nous parler de cette fausse culture de l'homme blanc? N'ose plus parler. Écoute, Afam. Je ne veux pas que tu nous parles ici des coutumes et traditions des blancs. Nous parlons de nos propres coutumes et traditions ici. C'est quoi ça? Viens, mon fils.
Donne-lui directement. C'est quoi ça? Voici la liste. Vas-y, donne-lui. Et s'il vous plaît, faites vite, faites vite, partons d'ici. Pourquoi vous répétez la même chose? On est fatigué de tout ceci, non? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer au juste? Il n'y a que ta mère ou sa famille qui vont donner l'argent pour ce que nous faisons. Personne de notre famille ne va contribuer, même pas un iota là. C'est contre notre tradition. Cher Ozioma, tu dois retourner dans la maison de ton mari. Nous te disons cela avec un grand respect. Et c'est selon nos traditions. Tu le sais bien. Oui. Les oreilles qui n'écoutent pas les conseils suivent la tête lorsque le coup est tranché. C'est tout ce que je t'ai toujours dit. Mais tu ne voulais pas écouter. Maintenant, le temps est venu. Tu dois faire face aux traditions. Tu avais tout le temps de régler ces problèmes. Mais tu étais têtu. Vois où nous en sommes maintenant. Quelle humiliation. Nous sommes tous de la même famille, alors pourquoi vous me traitez ainsi? Hein? C'est le temps de compatir avec moi et non de me faire la morale. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Tu vois? Nous t'avons averti au début. Mais toi et ton fils nous aviez traités d'ennemis du progrès. Maintenant, regarde aujourd'hui. On ne peut combattre les traditions. Quoi qu'il en soit, nous sommes censés compatir avec elle. Il faut que tu ailles là-bas pour faire ce qui doit être fait. C'est ce que je peux dire en tout cas. Que penses-tu qu'on peut faire concernant ça? Nous n'avons d'autre choix que d'enterrer notre frère. Comment pouvons-nous le faire sans avoir fait le nécessaire? Il était notre frère. Regardez-moi cette femme. Maman, descends, non? Qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Descends et allons à l'intérieur, s'il te plaît. Ozioma n'est pas digne de pleurer son mari. Elle ne peut pas entrer ici. Ozioma ne peut pas entrer ici parce qu'elle est impure. Et encore, elle doit pleurer son mari qu'elle avait abandonné il y a très longtemps. Oh. Jamais, ne dites même pas ça. Hein? Qui êtes-vous même pour prendre une décision pareille? Que me dites cette connerie? Que ma mère ne peut pas pleurer sur son mari? Ne dites jamais ça. Nous pouvons voir que vous ne voulez pas faire ce qui doit être fait, selon nos traditions. Nous allons vous laisser seul, enterrer le corps. Nous ne pouvons supporter la rage des dieux dans nos familles respectives. Njoko, moi je m'en vais. Je m'en vais aussi. Mes anciens, mais où est-ce que vous partez? Dans nos maisons. Oh non, s'il vous plaît, restez s'il vous plaît. Enterrons notre père, votre frère. Si vous voulez partir, partez. Je vois que vous n'êtes pas capable. Partez, quittez. Vous n'êtes même pas capable. Ma mère n'est pas digne de pleurer son mari. C'est quoi ça? Maman, allons à l'intérieur, s'il te plaît. Grand frère Biko. Afam, lève-toi, allons supplier les anciens. Ils sont en train de partir, s'il te plaît. Allez, lève-toi. Ok, très bien. Les anciens, s'il vous plaît, attendez. Mon frère est derrière vous. Mes anciens, je vous supplie, pardon. Ne considérez pas tout ce que mon frère est en train de faire. Il ne connaît rien de la tradition. Il ignore les conséquences de tous ces actes qu'il pose. S'il vous plaît, aidez-nous. Je suis prête à faire tout ce que vous nous demanderez pour que notre maman fasse le deuil de son mari dans la paix. Pardon. Bukozo nono. Hein? Grand frère, dis un mot, non? S'il vous plaît, les anciens. Ma fille, c'est un problème qui te dépasse. D'ailleurs, ça nous surpasse tous ici. Nous n'avons rien à gagner ni à perdre. On ne fait que suivre la tradition. Oui. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Quelle est la solution? Un bassin de zinyam et des bananes plantains. Ou une chèvre noire. Noix de cola et les feuilles du piment sont voulues immédiatement pour la première étape de la purification. Pour que Ozioma soit permise de pleurer son mari. Sans cela, Ozioma ne peut pas poser ses pieds dans cette maison. Et c'est tout? C'est pas ça. Ce n'est pas tout.
personne ne doit contribuer de l'argent pour acheter les articles pour la purification. Plus précisément, les enfants d'enfants. L'argent à contribuer devra provenir soit de la veuve ou des membres de sa famille. Oui. Faites attention, vous êtes prévenus. N'est-ce pas, mes anciens? Pourquoi pleures-tu? Dis-moi, maman, pourquoi tu pleures? Je t'ai supplié de retourner à la maison quand papa était encore en vie. Ce serait plus facile. Mais tu ne voulais pas du tout. Vois maintenant où est-ce que tu en es. Obi, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Si seulement il y avait un moyen pour que je puisse remonter le temps, ma fille, j'allais le faire. Je suis vraiment désolée, ma fille. Obi. Toutes ces conditions. Le feuille de piment. Et les noix de cola. Pour la première étape de la purification. Même si on s'est porté volontaire pour acheter tous ces trucs, on ne peut pas le faire. Dis-moi, maman, est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu as de l'argent pour passer à cette purification? Non. Oh, mais tu sais que je ne fais aucun business. Je survis grâce à l'argent que ton frère me remet souvent. Mais je n'ai pas d'argent. Je sais que je vous ai vraiment déçu. Je vous ai ridiculisé. Je suis vraiment désolée. Obi, je t'en prie, ma fille. Tu as causé tout ceci, maman. Tu étais avertie. Tu étais avertie. Obi. À maintes reprises. Obi. Obi. Eh wow. Eh wow. Frérot, durant tous ces jours, je n'ai pas cessé de penser et de méditer sur tout ce qui se passe. À propos de ce qui doit se passer pour l'enterrement de papa. Laissons les gens voir ou penser selon leur perspective. J'espère que tu n'es pas venu pour m'enseigner la Bible. Car j'ai beaucoup de problèmes dans ma tête maintenant là. Voilà, raison pour laquelle tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Tu sais, cette tradition ou que sais-je d'autre, ça nous freine. Christ est venu nous donner la rédemption, afin d'avoir sa grâce ainsi que le salut. Tu as fini? Frérot, ce que j'essaie de suggérer est, pourquoi ne cherchons-nous pas un pasteur? Rendons un dernier service à papa et enterrons-le au lieu de toutes ces formalités traditionnelles qui ne sont même pas nécessaires et encore moins prudents. Écoute-moi alors, laisse-moi te dire une chose, hein? Peu importe la manière dont tu vas les prendre. Papa n'est pas un enfant et ne pourra jamais être enterré comme un petit enfant. Il nous faut vraiment beaucoup de respect pour cet homme. On ne va pas enterrer papa comme un enfant. Voilà ce que j'en pense. D'accord? C'est vrai, frérot, mais on pourrait c'est essayer fini. De... C'est fini. Over. Dieu je pense que tu as bien entendu ce que je te dis. Tu peux partir. Mais Christ nous a apporté la rédemption afin qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Sache-le, frérot, ok? Nous garde ça bien, je te dis. Garde bien ces tenues. Très bien.
Regarde-les. Des gens stupides. Ils auraient pu dire que le bélier et la chèvre sont leurs problèmes. Ils auraient pu le dire et je leur donnerais un titan de bélier ou de chèvre. Quel est leur problème? Jidena, il n'est pas question ici de toutes ces histoires que tu es en train de mentionner. Nous parlons ici de pétrins dans lesquels tu as mis maman. Si tu avais dit la vérité à maman, toutes ces choses ne seraient pas arrivées. Vois maintenant où nous en sommes, tu vois ce que tu as causé. Ada, es-tu pour moi ou contre moi? Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu essaies de dire au juste? Qu'est-ce que tu veux dire? Es-tu en train de m'accuser pour ce qui se passe? Veux-tu me faire endosser la responsabilité? Écoute, Obi, je voulais finir mon manoir et faire venir notre mère dans ma maison. Où elle serait traitée comme une reine. Et tu parles de n'importe quoi. Comme une reine, tu dis? Ouais. Comme une reine, hein? Exactement. Et maintenant qu'elle est foulée au pied de tout le monde comme une poubelle, qu'est-ce que t'en dis? Jidena, l'orgueil ne paye pas. L'orgueil ne t'amènera nulle part. Obi, c'est ce que je ne vais pas tolérer. C'est ce que je ne vais pas tolérer. Ma mère n'est pas une ordure. Elle n'est ni une poubelle, ni un déchet. Elle n'est pas une ordure. À prendre ou à laisser. Quel est ce genre d'insulte que tu es en train de vomir? Hein? Qu'ils me disent combien de béliers ou combien de chèvres ils veulent. Et je vais prouver ça. Ah ah. Ça, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Oh. Ce qu'on lui demande, c'est de donner un cheval blanc ou une chèvre. Donc, une chèvre. Sache qu'en deuxième lieu, il nous a interdit de contribuer. Oh. Elle doit acheter toutes ces choses avec son propre argent. Tu comprends donc? C'est ça là, le problème. Oh. Donc, tu n'as rien à faire. Complot. Tu peux dire tout ce que tu veux. Comment veulent-ils qu'elle trouve cet argent? Pose-moi la question. Est-ce qu'elle est une salariée? Est-ce qu'elle travaille? Qu'ils se respectent eux-mêmes. Oh. Que chacun s'occupe de ses affaires. Je ne veux pas commettre le meurtre, oh. En tout cas. Bien, c'est ce à quoi j'ai pensé. Oh. Hein? Parce que maman ne travaille pas. Où est-ce qu'elle aura l'argent pour acheter toutes ces histoires? Jidena, tu sais bien que si maman ne passe pas cette purification, papa ne sera pas enterré. Donc elle est obligée de le faire. C'est très grave. Tu as compris, j'espère. Nous sommes entre l'enfer et le paradis. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Je dis des conneries, n'est-ce pas? Non, mais quelle honte! Hé, hey, j'ai vraiment très honte de moi, tu sais. Jay! Moi non plus, je ne peux pas aller là-bas. C'est une histoire très sale à entendre. Ozioma a réussi à détruire complètement le nom de cette famille. Hein? Et même le nom de ses enfants. Ozioma, dans tous les coins et recoins du village, vraiment. Hey! Et là, j'ai même honte de pouvoir dire que Ozioma est ma propre grande sœur. Que nous sommes familiers. Hein? Et là, même si je fais un petit tour au village, je suis censé me couvrir les yeux juste à cause de la honte. J'ai tellement honte de moi, mon frère. Hey, Dieu Tout-Puissant. Ikena, si tu veux aller là-bas, tu peux y aller. Tu peux aller seul. Moi, je ne peux pas. Regarde, moi, Nadi, je ne peux pas m'impliquer dans une visite de honte comme ça. Ok? Moi, mon frère, je préfère retourner à la maison où Ozioma devrait porter sa croix elle-même. Après tout, son fils là, il a beaucoup d'argent. Oh. Donc, elle ferait mieux de porter sa croix et trouver une solution. Où qu'il soit maintenant, il va enterrer son père avec honte. Ouais, malheureusement. Mes anciens, je vous salue tous. D'ailleurs, j'aimerais que vous me rendiez un service. Et je sais que si mon père était encore en vie, il aurait demandé la même chose. Vas-y, Afam. Ok, je demande que la femme de mon père, qui est veuve, pleure son mari à la cuisine. Considérant le fait qu'elle sera là pendant plus ou moins 5 jours. Je sais que la température est très basse. Au lieu qu'elle soit là où vous l'avez placée, je vous supplie qu'elle se mette à la cuisine et qu'elle pleure son mari. Tu as bien parlé. Tu as bien parlé. Mon fils, tu as bien parlé. Merci, mes anciens. Nous ferons ce que tu veux. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Je t'en prie. Mes anciens,
Bekono, voici l'enveloppe en question. L'argent pour tout ce qui était demandé. Nous prions en votre faveur. Ma fille, je suis sûr que cet argent vient de ta mère. Parce que si jamais l'un d'entre vous donnait ne serait-ce qu'un iota, il est contre la tradition. Tu as vu? Cet argent fera l'affaire. Nous allons trouver quelques jeunes pour aller acheter le bélier blanc et les autres articles. Je ne vais pas tolérer ça. Je ne vais pas tolérer ça. Que personne ne me dise de me taire. Je ne peux pas m'asseoir ici et vous allez me dire de me taire. Comment puis-je me taire? Je suis assis ici et vous êtes là, ouvrant vos bouches et vomissant des conneries. Et maintenant, vous me demandez de me taire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire toutes ces conneries? Jidena, s'il te plaît. Le corps de ton père est encore à la morgue. Planifions ça de telle sorte que la paix règne durant l'enterrement. Hein? Oncle, il n'y a aucune question de paix. Nous sommes tous égaux dans cette famille et personne n'est supérieur à l'autre. Hein? Ouais. Hein? Jidena, tu es vraiment stupide. Tu crois que c'est le bon moment pour toi de faire les troubles, hein? Alors que papa est là-bas à la morgue. Qu'est-ce qui ne va pas avec un toi? Un garçon malade. T'es vraiment un garçon malade. Hein? T'es vraiment stupide. Apaise-toi, ok? Apaise-toi, s'il te plaît. Je t'en prie, apaise-toi. S'il vous plaît. Apaisez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous devons juste nous calmer. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce dans cette famille. Jidena. Tu sais, la violence ne mène toujours pas à grand chose. Nous avons juste un tout petit problème. Que chacun de nous soit couvert par Dieu. Ainsi, nous aurons la paix dans cette famille. Toi, arrête de dire ça. Est-ce que tu vois Jésus-Christ ici? C'est vraiment le fauteur de troubles dans cette famille. Tu vois tous ces singes? Jidena, un seul mot de plus de ta part. Tu verras ce que je te ferai. Idiot. Ah, c'est toi là-bas. Oh non, ose. Toi, tu ne peux rien faire. Ose, tu verras. C'est quelle bêtise ça? Ne le fais pas, médecin. Mon frère, oublie cette bêtise que tu es en train de vomir. Si tu essaies ici, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Jidena, quand est-ce que tu vas comprendre? Je vais t'étrangler comme un ennemi. Quand est-ce que tu changeras, Jidena? N'importe quoi. Jidena. Hein? Hey! Oncle, voici Jidena. Calme-toi et planifions tout ça, hein? Jidé, tu n'as pas besoin de faire tout ça. S'il te plaît. Tu dois apprendre à comprendre comment Dieu travaille. S'il te plaît, tout ce à quoi nous devons penser maintenant, c'est la grâce de Dieu. Et nous devrons demeurer comme une famille unie. Ton grand frère, notre grand frère, a raison. Jean 3,16. Merci pour ton serment. Jidena, on ne peut plus vivre en paix dans cette famille à cause de toi, Jidena. Jidena, pourquoi tu agis ainsi? Hein? C'est quoi ton problème dans tout ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux savoir? Oui. C'est ce que tu veux? Obi va dire à ces animaux qui sont là-bas. Va leur dire d'arrêter de traiter ma mère la façon dont ils la traitent. Pour qui se prennent-ils? Hein? Pourquoi ils traitent ma mère comme ça? Moi qu'on appelle Odogu? Jidena, l'homme de Texas. Malgré tout ce que je fais, malgré mes avertissements, il continue à traiter ma mère comme ça. Pourquoi? Jidena. Madame. Jidena. Maman. Ne te mêle pas. Décide ta affaire. C'est ce que tu me dis? Oui. Jidena, ne me dis pas que tu ne t'es pas averti. Cette calamité que tu vas mener dans ta vie, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Jidena, fais attention. Maintenant, écoute et écoute-moi bien. Puisque tu as décidé de rejoindre mes ennemis,
Hein? Retourne là-bas et rapporte à ces animaux que Didiana a dit. Ma mère ne va pas rester dans cette maison délabrée. Ça ne va pas arriver. Qu'il me dise ce qu'il... Vous êtes en train de me pousser, oh? Vous êtes en train de me pousser. Qu'il me dise le prix. J'hébergerai ma mère dans n'importe quel hôtel elle veut pour pleurer mon père. Qu'il ne me défie pas, oh? Ils sont en train de me défier. Ils sont en train de me défier. Je ne vais pas laisser passer. C'est quoi cette connerie? Que veut dire tout ça? Pas de problème. Jidena, 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 je t'aurais prévenu, oh. Jidena, fais attention. Les oreilles ne dépassent pas la tête. Jidena a osé ouvrir sa bouche pour dire que nous sommes égaux dans cette maison. S'il te plaît. Où était-il? Quand j'avais commencé à voyager, j'ai commencé à voyager à l'âge de 28 ans, dans plusieurs pays. Je t'en prie. Où était Jidena quand j'ai commencé à toucher mes premiers millions? Où était Jidena quand j'avais commencé à dîner avec des grandes personnalités de ce pays? Jidena a osé ouvrir sa bouche pour me défier. Ma bokele a fié. Chérie, s'il te plaît, tu dois te calmer. Je vais montrer à Jidena qu'il est encore un petit garçon. Essaie de te calmer, chérie. Il ne peut pas me défier. Arrête d'entrer dans son jeu, tu dois te calmer. Ça suffit! Ne me dis pas de me calmer. Reprends tes esprits. Les anciens seront là d'ici peu. Ressaisis-toi, s'il te plaît, chérie. Tu ne voudras pas que les choses sont pires, puisqu'elles ne les sont déjà. S'il te plaît. Ne me dis pas d'arrêter, parce qu'il faut que je m'occupe de Jidena. Bébé, je t'en prie. Jidena en fait de trop. Je dois m'occuper de lui. Je comprends. Mais tu dois te calmer. N'importe quoi. Grande sœur, Dieu va trouver une solution, oui. Je te dis que cette affaire ne prendra pas fin comme ça. Je vais m'en prendre à lui. Oh, ok. Calme-toi, mon vieux, s'il te plaît, calme-toi. Mais je laisse-moi te demander, pourquoi ne pas prier? Tu dois très bien prier pour son cas. À Dieu soit la gloire, car mes ennemis sont par terre. À Dieu soit la gloire, car mes ennemis sont par terre. À Dieu soit la gloire, Seigneur, car mes ennemis sont tombés. Oh Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Père, l'heure est venue. Et je suis ici pour glorifier ton nom, Père. Tu as dit qu'à chaque fois nous avons besoin de toi, tu es là pour nous répondre. Père, mon Dieu, je viens en ta présence pour te glorifier encore une fois, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le diamant, l'or, je n'en ai pas. Je n'ai que toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je fais appel à ta protection dans cette famille, Seigneur mon Dieu. Père, que tout esprit diabolique, que toute malédiction du diable, qui a dit que dans cette famille, il n'y aurait jamais, jamais la paix. Père, en cet instant, je le brise sous mes pieds au nom de Jésus-Christ. Père, mon Dieu, mon roi, je le dis et je le déclare. Quelle que soit la puissance ou le pouvoir qu'a cet ennemi, je libère cette famille, je libère cette maison au nom de Jésus-Christ. Père, j'invoque ton nom et j'invoque la paix dans cette famille. La paix doit régner dans cette famille. La paix doit régner parmi mes frères. La paix doit régner parmi les adultes de cette famille, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Quel que soit où Jidena se trouve, je fais appel à ta puissance, Père. J'invoque ton nom, Seigneur de tout-puissant. Arrête-le. Arrête-le maintenant. Arrête-le maintenant, au nom de Jésus. Père, mon Dieu, mon roi, quel que soit où la femme se trouve, Père, mon Dieu, mon roi, je te le demande, Seigneur, couvre-le de ta paix. Couvre-le de ta paix, au nom puissant de Jésus. Père, mon Dieu, je te remercie, parce que je sais que tu l'as déjà fait. Il est écrit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, je te remercie, parce que je sais que tu l'as déjà fait, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as fait. Merci, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, pour tout ce que tu as fait.
Oncle, que proposerais-tu que je fasse maintenant? Premièrement, je dois parler aux anciens concernant la manière dont ta mère doit faire le deuil. Ils doivent nous donner une meilleure alternative. Et quand ce sera fait, le train sera en marche. Ok. Mais j'aimerais te supplier pour une chose, Jidena. J'aimerais que tu apprennes à contrôler ton humeur. Ok? Parce que, tel que nous sommes maintenant, Afam a le droit de veto parce qu'il est le premier fils. Tu vois? La meilleure des choses à faire est d'utiliser nos têtes au lieu de poser des actions stupides. Juste donne-moi le temps. Je ferai quelque chose d'intéressant. Nous devons les défier. Hein? Ok, oncle. Alors calme-toi. Ça va, oncle. J'ai entendu ce que tu as dit. Je compte sur toi. As-tu des choix? Hey! Hey, moi non plus, je n'ai pas de choix. Je ne peux que te soutenir, mon fils. Oh! C'est mon appréciation. Je compte sur toi. Je compte sur toi, oncle. Allô? Hey! J'appartiens maintenant. Merci beaucoup, mon enfant. Écoute. Hein? Je t'en prie, mon frère. C'est toi qui représentes mon père. Je t'en prie. Hein? Pitié. Aide-moi, pitié. Je t'en prie, ne m'abandonne pas, pitié. Ne m'abandonne pas, je suis ta sœur. Pitié, mon frère. Tu es toujours là. Hein? Cette affaire est entre toi et la famille de ton mari. Il n'y a rien que je puisse faire là. Va et fais ce que les traditions nous demandent. Hein? Les traditions sont là pour ça. Je n'y peux rien. Mon frère, je t'en prie, c'est bien moi ta sœur. Hein? Nous avons été le même sein, je t'en prie. Aie pitié de moi, ne m'abandonne. Maintenant, tu le reconnais. Ne t'avais-je pas averti? Lorsque tu avais quitté la maison de ton mari pour ici, ne l'avais-je pas fait? Hein? Maintenant, tu parles comme si je ne t'avais pas déjà averti. Grand frère, mon frère. Je peux savoir d'où est-ce que tu viens? Hein? Rentre chez ton mari maintenant. Frérot, je suis revenu. Isioma, à qui as-tu laissé tes enfants? Ces enfants seront bien élevés s'ils sont à côté de leur mère. Cet acte, tu finiras par le regretter. Tu les regretteras un jour. J'ai déjà pris ma décision. Je ne suis plus marié. Point final. Ah. Osioma, je dis rentre maintenant d'où tu viens. Je n'irai nulle part. Ça, c'est la maison de mon père. Alors j'ai le droit de rester ici aussi longtemps que je le voudrais. Tu es déjà marié. Tu ne peux plus habiter ici avec nous. C'est moi l'héritier de cette maison maintenant. Et je dis rentre d'où tu appartiens. Je ne suis pas chez toi. Ça, c'est la parcelle de mon père. Alors tu n'as pas le droit de me mettre dehors. Rappelle-toi. Osioma, ne me dis pas que je ne t'avais pas averti. Les oreilles qui n'entendent pas suivent la tête lorsqu'elle est coupée. Tu vas le regretter. J'aimerais que vous deux puissiez demander à Osioma pourquoi a-t-elle quitté la maison de son mari et abandonné ses petits-enfants là-bas. Isioma, tu as entendu ce qu'il a dit? Alors, qu'as-tu à dire? Je suis revenu pour toujours. Je ne repartirai pas chez ces vieillards. Jidena et Obi sont ses enfants. Il doit prendre soin d'eux. Je ne peux pas me tuer parce que je me suis marié à ces vieux fous. Maintenant, tu sais que c'est un fou. Ta sœur ici ne t'avait pas averti. Mais tu avais insisté que tu l'aimes et que tu étais amoureuse. Où est l'amour maintenant? J'étais aveugle. Grande sœur, nous sommes déçus de toi. Jamais dans cette famille, nous avons déjà vécu ce genre de choses. Tu dois y réfléchir. Tu dois réfléchir sur les conséquences. Il s'agit bien de ma vie, pas la tienne. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas me laisser tranquille. C'est ma vie. Ah. Que le Dieu ait pitié de toi.
Vous parlez maintenant. Mais quand je vais ramener un homme riche, vous tous, vous serez contents. Je ne veux pas retourner chez ce pauvre homme. Pas question. Je vais me trouver un homme riche en ville qui aura deux, non, trois voitures. C'est ce que font mes amis en ville. Donc c'est vraiment ça ton rêve? Te marier à un homme très riche, c'est ça, hein? Isioma. Mon ami, si tu essaies de te mêler de ça, je vais te gifler. Dégage d'ici, de quoi tu te mêles? Vas-tu arrêter ces bêtises-là? Laisse-le tranquille. Waouh, tu es splendide. Merci, merci. On y va avant que mon frère n'arrive. Hé, revenez ici. Où allez-vous? Hein? Et toi, que fais-tu ici? Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a de bon en ces jours? Je te demande ce que tu fais dans ma maison. C'est mon ami. Hé, ton ami? Une femme mariée qui a des amis garçons? Je ne suis pas mariée, mais pourquoi tu me ridiculises devant mon ami? Oh, je vois maintenant pourquoi tu as décidé de quitter ton mari pour venir me créer des problèmes ici. C'est ça, non? Tu m'as menti? Tu ne m'as pas dit que tu étais mariée? C'était dans le passé, je ne suis pas mariée. Hein? Donc c'est Peter. Ça. Peter? Peter? Grand frère. Mais c'est quoi ton problème? Mais pourquoi tu cherches toujours à me pourrir la vie? C'est quoi ton problème? Cet homme était mon ami, mais qu'est-ce que tu me veux juste? Tu vas me tuer aujourd'hui. Tu vas me tuer, je ne peux pas te lâcher. Tue-moi aujourd'hui. Je vais te taper. Je ne peux pas te lâcher. Tu vas me tuer. Lâche-moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce que tu veux. Laisse-moi vivre ma vie. Lâche-moi, je dis. Mon frère, je ne savais absolument rien. J'étais jeune. C'était le diable. Le même diable qui sème la pagaille partout. C'est lui qui habitait en moi, je te l'ai dit. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. S'il te plaît, il n'y a rien que je puisse faire. Les traditions sont là pour ça. Je ne vois pas ce que je peux faire. Tu devrais chercher la solution ailleurs. Grand frère, grand frère. Je n'en reviens pas à croire tout ce que tu me racontes pour Okochukwu. Il avait l'air d'un garçon calme et très intelligent. Pourquoi a-t-il changé soudainement? Gosi, mon ami. J'avais remarqué ces changements soudains après la mort du père de mon mari. Oh, mon ami. Et tu souffres de cette peine vraiment toi-même. Désolé, oh. Chima, mon frère. Et notre sauveur. Oh, il est tout ce que nous avons. C'est lui qui nous a soutenus jusqu'ici. Je suis très reconnaissante à lui. Que ferais-je sans lui? Ah, que Dieu continue de les bénir. Amen. Amen. Mais as-tu vu un serviteur de Dieu pour qu'il te dise c'est quoi la source de son changement soudain? Tu ne peux pas en éviter. Ça peut être d'origine spirituelle. Oui. Je ne crois pas en toutes ces choses. Je n'ai jamais cru à cette substitution spirituelle. Je ne crois pas en ça. Je crois que Okochukwu est juste en manque de son père. De plus, je ne vais pas ajouter des problèmes sur ce que j'ai déjà. Eh belle, c'est de ton fils que nous parlions ici, ton unique fils. Tu ne peux pas croiser les bras et dire que tout va très bien. Tu dois faire quelque chose. Ah, ma chère, à qui irais-je avec ces problèmes? Alter!
bataille. Bienvenue, ma déesse. Regarde, elle ne peut pas. Tu dois lui en empêcher. Pour que tu arrives à le faire, tu dois compléter les rituels de ce garçon. Je crois que ça ne prendra pas beaucoup de temps. T'inquiète, ma chérie. Tu non, sais non, que ça va traîner avec mon fils. Dépêche-toi, on va partir. Hey. Maman, maman, Ogochukwu, maman, Ogochukwu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, maman, s'il te plaît, Ogochukwu est entré au coma. Maman, hey. Je l'ai tiré de mon truc. Quoi? Hey, allons-y. Hey. Hey. J'ai pas beaucoup de temps. Faites vite pour qu'on parte d'ici. J'ai d'autres choses à faire. Jide, hey, sois patient, s'il te plaît. Vite, vite, j'ai passé de temps. Mais pendant combien de temps cela doit encore durer? Non! Qu'est-ce que ça signifie ça? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Ne peux-tu pas aller rejoindre les membres de ta famille là-bas? Grande sœur, ils sont ma famille. Oui, je le sais. Mais sur ce que Dieu a dit, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ils sont couverts de ténèbres. Grande sœur, le ténèbre et la lumière n'ont jamais rien en commun. Et tu le sais bien. John, il n'y a pas quelque chose de ténèbre là-dedans. Notre tradition n'est pas ténèbre. Parlons-en un peu. Je pense que tu es intellectuel. Oui, je le suis. Et c'est la raison pour laquelle je ne dois pas prendre part à ça. Tu comprends ça? Sur ce que Dieu a dit, imaginez un peu. Comment pouvez-vous tous permettre ce genre de choses? Grande sœur, j'ai testé la puissance, la vraie puissance. La puissance de la résurrection. John. Oui? Vas-y là-bas. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'honneur de papa. Après avoir fini tout ça, tu vas bien aller croire à tout ce que tu veux croire. Mais pour le moment, je vais te voir là-bas aussi. J'en ai peur. J'en ai peur, je ne prendrai pas part à ça. Tu comprends ça? Une tradition. Une tradition qui demande que les chèvres soient utilisées pour la purification. Non! Laisse-moi te dire quelque chose, hein? Le sang de Jésus nous a complètement lavés. La tradition n'amènera rien à part la ruine, la désolation et des querelles à tous ceux qui vont l'entendre. Que Dieu leur pardonne seulement.
Salutations, les anciens de ce royaume. Salutations, les dieux de notre terre. Votre messager est là. Les dieux de notre terre. Libou est là. Odogu kibu, eze ka eze. Regarde-moi. Odogu kibu. Donc c'est ce qui doit être fait avant que mon père ne soit enterré. Komezo. Les dieux de notre terre, je vous remercie. Ane djeje, oweronye karerege, mba. Ane djeje, oweronye karerege. Femme, tends tes mains. Tends-les bien. Femme, viens nettoyer tes mains ici. Nettoie tes mains dans ce bassin. Nettoie. Où est la chèvre? Amenez-la. Ane jeje, ouwe ronye karerim. Les dieux de notre terre, nous sommes prêts. Ça, c'est pour accomplir les rituels de la purification. Avant que son mari ne soit enterré dans 7 jours. Abomination. Ah, 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 ah.
Mathieu, mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon frère, frérot, réveille-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Tu... Obi, qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait à mon frère? John? Hein? Oh Dieu. John, John, qu'est-ce qu'il y a? John! C'est pas vrai. Obi, qu'est-ce que tu as fait à mon frère? John! Mon Dieu, Obi a tué mon frère. John! 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 Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu lui as fait, dis-moi? Oh mon Dieu! Oh! Obi! John! John, s'il te plaît! Femme, dis-nous ce qui lui est arrivé. Aisément, laisse-la tranquille. Elle ne sait rien de la mort du jeune homme. Ne contredis pas l'oracle. L'oracle a dit qu'elle en sait quelque chose. Parle. Je n'en sais rien. Sinon, les dieux déverseront leur colère sur toi. C'est Parle. Juste que je lui avertissais du rêve que j'avais fait à son sujet, mais il ne voulait pas m'écouter. Il a dit que ce n'était qu'un mensonge venant de l'enfer. Hey. Oh. Hey. Mon frère John. John, qu'est-ce qu'il y a? Viens rejoindre les élus. Écoute, la Bible dit que nous devons être prudents comme le serpent. Ok. Tu me comprends? Oui. Écoute, nous ne pouvons pas nous asseoir et attendre de l'argent que nous savons très bien qu'il ne viendra jamais. Je vais te dire une chose, la vérité c'est que ta mère n'a pas cet argent-là. Tu comprends ça? Écoute. Prends cet argent. Prends-le. John. Écoute, remets-les aux anciens demain dans la matinée, ok? Afin qu'ils puissent acheter, je ne sais pas, la chèvre ou je ne sais pas quoi d'autre. Tu comprends ça? Merci beaucoup, John. J'apprécie. Mais tu sais, je ne saurais pas prendre cet argent. Hein, s'il te plaît. Je ne vais pas te perdre. S'il te plaît, John. S'il te plaît. Reprends. Crois-moi, John l'enfant béni. Un fils de Dieu que je suis. Toute arme forgée contre un enfant de Dieu sera nulle et sans effet. Prends cet argent. Je ne crois même pas à cette tradition de merde. Tu comprends? Présente ça aux anciens demain matin. Tu as saisi? Prends. Allez, va à l'intérieur. Viens. Attends une minute. Père, nous te remercions pour cette occasion que tu nous offres. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent, John? Mon Dieu, j'ai peur. J'ai trop peur. Obi? Qu'est-ce qu'il y a? Frère John, bonjour. Oui, bonjour. Frère John, bonjour. Bonjour. Pourquoi gardes-tu l'argent? Tu ne leur as pas encore remis cela? Pourquoi? Frère John, je me sens lourde. Mon cœur bat la chamade. Hein? J'ai peur. Hein? J'ai fait un rêve terrible la nuit dernière. J'ai trop peur. Hein? Je bannis l'esprit de la crainte au nom de Jésus. Regebo chantarebo chica. Oh, merci Jésus. Ma sœur, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu dois le savoir, ma sœur, l'esprit de la crainte vient du diable et elle mène toujours à l'échec. Tu vas procéder comme je te l'ai dit. Remets-leur cet argent et que l'esprit de mon Dieu soit avec toi. Merci Jésus. Ok. Amen. Fais comme je t'ai dit. Que toute arme qui a été forgée contre un enfant des dieux Père soit nulle et sans effet. Ma sœur, je dois partir maintenant. Rendre visite à un ami. Afin de pouvoir étudier la parole des dieux. Fais comme je t'ai dit. Jésus. Amen. Merci. Merci, Jésus. Ah!
Son sang a été utilisé pour la purification. Maintenant, la femme peut enterrer son mari. Mon frère, tu t'es averti, mais tu ne voulais pas m'écouter. Pourquoi ça, John? Il était averti. Il est averti. Hey. Ça va, ça va. Lève-toi. Arrête de pleurer. Ça va. Arrête ça. Femme, tenant compte de notre tradition, tu dois pleurer ton mari dans cette maison. Et ce que tu vas faire, tu vas beaucoup pleurer jusqu'à ce que le soleil va se coucher. Comme tu le sais, c'est notre tradition. Tu dois faire attention que personne ne te voit dans la parcelle de ton mari. M'as-tu entendu? Et toutes les femmes seront là pour te surveiller. N'est-ce pas ça, les amis? Jusqu'au septième jour, jusqu'au dernier rituel vont se faire avant de faire la séparation. M'as-tu entendu? S'il te plaît, maman, cette place ne sera pas confortable pour elle. Peux-tu la fermer? C'est notre tradition. Veux-tu la changer? Qu'y a-t-il? Chima. C'est bon. Arrête de pleurer. Sinon, dis-moi, comment son cas évolue? Vas-y. L'état de Chima ne fait que s'empirer. Et ça ne répond pas au traitement. J'ai très peur. Je ne vais pas perdre mon unique fils. C'est bon, sœur Ebere, tout ira bien, crois-moi. Je pense qu'on doit les transférer à l'hôpital général. Là-bas, ils ont plusieurs spécialistes qui prendront soin de lui. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je me sens terrassée, je crains beaucoup. Tu sais, Ogochukwu est mon unique fils. Je ne vais pas le perdre. Je sais, ma sœur. Regarde, Ogochukwu est également mon neveu. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire pour le sauver. D'ailleurs, laisse-moi aller commencer immédiatement les démarches pour son transfert, ok? Allons ensemble, c'est mieux. Et ne t'inquiète pas pour les factures, je prendrai tout en charge. Okay. Allons-y. Merci. Allons-y, viens. Merci beaucoup. Juste, calme-toi. Grand frère, grand quoi? Frère. Grand frère, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Grand frère, interdis-leur. Ils veulent mettre maman dans cette maisonnette. Elle ne sera pas confortable non, là-bas. Non. La seule personne qu'ils écouteront ici, c'est toi, hein? Va leur dire. Non, elle ne va pas rester là. J'ai parlé aux anciens il y a de cela très longtemps. Ouais, on lui a permis de rester à la cuisine. Durant toute la période du deuil. Ok, d'accord. Mais grand frère, tu dois aller avec moi. Insiste que maman reste dans la cuisine. Viens avec d'accord. moi, s'il te plaît. Qu'elle fasse le deuil de son mari à la cuisine. Cette maison ne tiendra pas. Pas de fenêtre. Il n'y a même pas de la pelouse ici. Tu sais que ça, ce n'est pas notre tradition. Notre tradition dit qu'elle doit pleurer son mari dans cette maison-là. Je parle sous l'autorité des Umuna. Oui, je suis le premier fils de cette famille et le représentant de la famille. Alors c'est moi qui décide sur ce qui va se passer ici. Qu'elle fasse le deuil de son mari à la cuisine, au lieu de cette maisonnette. Êtes-vous d'accord avec ça? Pas de problème. Ok, qu'elle pleure alors son mari dans la cuisine.
Ozioma. Il est temps du rituel de deuil. Sors. Sors pour que tu pleures ton mari. S'il te plaît, dépêche-toi. Ne nous fais pas perdre du temps. Va là-bas. Pourquoi tu fais des choses? Avance vite. Allons-y. Oh. La terre de mon massacre. Je n'ai pas tué mon mari. Enfant, tu sais que je ne t'ai pas tué. C'est pas moi qui t'ai tué. Mon ami pleure. Tu ne fais que te lamenter. Vas-y, pleure. C'est quoi ça? Enfant, enfant, tu sais que je ne t'ai pas tué. Peut-être que l'une de ces femmes qui te courait après, pas moi. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Enfant! Tu n'as même pas honte, hein? Vas-y, fais bien couler les larmes! Fais bien couler tes larmes! Tu n'as encore rien vu. Ma chère, pleure bien. Pleure, John. Pleure bien! Oui. Tu n'as pas honte, hein? On n'entend pas ta voix. Enfant! Pleure bien, ma chère! Arrête de me dire de qu'est-ce qui se passe avec toi? Peut-être que l'une de ces femmes qui te courait après qui t'a tué, pas moi, oh! Jide! Jide! De quoi s'agit-il? Hein? Tu perds la tête? Jide! Obi, écoute-moi. Peu importe ce qui se passe maintenant, je veux aller voir l'oncle Félix. Je sais, Jide. Maman est arrivée au 7e jour du deuil de son mari. Nous devons réaliser ce qu'il nous est demandé de faire. Regardez-moi, c'est ici. Tout ça, c'est pour que l'esprit de papa se repose en paix. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Demandes? Hein? Obi, tu me demandes. Maintenant, dis-moi, que veux-tu que je fasse? Puisqu'ils disent que nous ne pouvons pas contribuer à ça. Hein? Tu veux que je meure comme John? Jamais, ça ne peut pas arriver. Hein? Sois à l'aise, mon ami. Hein? Sois à l'aise. Jide, reviens un peu. Remets-moi la liste. Tu veux la liste? Ok. Prends ça. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Papa et John sont toujours à la morgue. Il n'y a rien que je puisse faire. Comme la coutume le demande, je ne peux rien faire. Je m'en vais. Fais comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Écoute, fais attention. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Moi, je t'ai prévenu. Oh. Hey! 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 Oh mon Dieu! Maman! Maman, tu as assez pleuré tous ces jours.
Hein? Essaye de te calmer. Hein? Je suis calme. Je suis calme. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Maman, t'inquiète, tout ira bien d'ici peu. As-tu été capable de réunir l'argent? J'ai dit que tout ira bien. Je suis là pour toi. Je suis là, maman. Prends ta nourriture. Dégage avec ça. Je ne vais pas. Maman, pourquoi tu fais ça? Tu risques de te causer encore d'autres problèmes, non? S'il te plaît, mange ta nourriture. Maman, s'il te plaît. Hein? Essaye de manger. Qu'est-ce que c'est? Oui. Dégage avec ça, tu sais que je n'aime pas les riz. Maman. Qu'est-ce qui m'arrive? Ma soeur, s'il te plaît, arrête. Arrête ça, tu vas assez pleurer, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête de pleurer, s'il te plaît. S'il te plaît. Chima. Chima, mon fils Ogochukwu. Mon unique Ogochukwu. S'il te plaît, ma soeur, arrête de pleurer, s'il te plaît, s'il te plaît. Ogochukwu, mom. Ogochukwu, mom. Chima, ramène-moi au Ogochukwu. Ramène-moi mon arrête fils, pleurer, Chima. Ramène-moi mon fils. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Arrête d'abord. Dieu. Tu vas trop pleurer. Arrête, s'il te plaît. Je vais arrête, mourir. Ma soeur. Je vais mourir. Arrête. Je ne vois plus pourquoi je dois vivre. C'est bon. Arrête mon de pleurer. Chima. C'est bon. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Arrête, c'est bon. Ne me dis pas ok. Ne me dis pas ok. Ça ne va pas, Chima. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Chima, arrête d'abord, s'il te plaît, ramène-moi mon fils. Arrête, s'il te plaît. Ogochukwu, ma soeur. Arrête, Ogochukwu. C'est bon. Tu as trop pleuré. Arrête, s'il te plaît. C'est bon, s'il te plaît. C'est bon. Tout ira bien. Arrête, Chima. S'il te plaît. Chima, s'il te plaît, mon fils. S'il te plaît, ma soeur, je calme-toi. Je vais être avec mon fils. Ramène-moi mon fils, Ogochukwu. Je vais être avec lui. Oh. S'il te plaît, s'il te plaît. Désolé. Ça ira, s'il te plaît. Arrête. Arrête, s'il te plaît, sœur. Arrête, s'il te non. plaît. Arrête. Non. Arrête ça. Pourquoi arrête. Je vais encore vivre? Tu as trop pleuré. Arrête, que s'il je te meurs. Plaît. Arrête, c'est... Oui, je vais mourir. C'est que bon, je c'est meurs. Bon, arrête. Que je meurs. Arrête de pleurer, oh, s'il non. te plaît. Tu risques de te faire du mal. Arrête. Je ne vois plus pourquoi arrête, tu dois vivre. S'il te plaît. Arrête. Pourquoi tu arrête mon d'abord. Fils oh. Arrête. Non, c'est bon. Arrête de pleurer. S'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Non. Arrête ça. Je ne peux arrête. Pas. Tu as trop pleuré. Arrête, mon s'il fils. Te plaît. Arrête. Mon fils. C'est bon. Arrête. Arrête. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Tu oui, risques de, fils. Tu risques de te fils. Faire du mal. Arrête. Mon arrête. Fils. Arrête. S'il te plaît. Arrête. Arrête d'abord. Arrête. Non, c'est bon. Arrête de pleurer. Ugo! Ugo, que fais-tu ici? Je n'ai rien à faire avec toi. Hé! Hey!
Ugochuk. Hein? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que je te fais? Laisse-moi tranquille. Je n'ai rien à faire avec toi. Je n'ai pas ta dette. Laisse-moi tranquille. Eh oh! Eh oh! Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Hey! Laisse-moi tranquille, oh! Hey! Waouh! Hey! À l'aide! À l'aide, oh! À l'aide, aidez-moi! Ah! Hey! Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Ah! Hey! Qu'est-ce que je t'ai fait? Laisse-moi. Laisse-moi, oh! Hey! Frère à femme, j'avais complètement tort. S'il te plaît, de tout ton cœur, s'il te plaît, de tout ton cœur, pardonne-moi. Non, 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 arrête ça, s'il te plaît, s'il te plaît, je ne suis pas Dieu. S'il te plaît, lève-toi, lève-toi. J'avais tort. Lève-toi, mon frère, ça suffit. C'est parce que je faisais. Oui, lève-toi, lève-toi. C'est pas ce que je faisais. Assieds-toi. Oh! C'est bon. Ok. Ma soeur, pardonne-moi. Oh. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je m'excuse beaucoup. Grand frère, s'il te plaît, pardonne-lui. Il est profondément désolé. Affame mon frère. S'il te plaît, pardonne-lui. Trouve une place dans ton cœur pour lui pardonner. Comme tu le vois. Il est vraiment sérieux. S'il te plaît, fais ça. Chérie, tu dois lui pardonner. Tu dois supporter tes petits. C'est bon, j'ai entendu tout ce que vous venez de dire. Hein? D'accord. Mon frère. Voilà, voilà. Mon frère, oh, mon frère bien-aimé, je suis désolé. Merci ça beaucoup. Va. C'est bon. Hey! Hey! Ma sœur. Ma soeur chérie, oh. Laisse-moi tranquille, laisse-moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Laisse-moi. Mon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Ugo, laisse-moi. Regarde-le, le vois-tu? À qui es-tu en train de parler? Donc tu ne vois pas ce conteneur ici? Qui? Je ne vois personne ici, c'est quoi ton problème? Ce conteneur ici, il est juste devant moi. Mais quel conteneur? Hey! Donc tu ne peux pas le voir. Ah! Hugo, s'il te plaît, je vais coopérer. Coopérer? Ah! Attends, je vais te montrer que nous sommes pareils. Nous sommes sur la même page. Tima, qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Je t'ai dit que le conteneur est déjà là. Le conteneur est... Aïe! Oh mon Dieu. Tima, mais qu'est-ce que tu fais? Hugo, attends. Je vais te donner ta part, attends. Tima, à qui es-tu en train de parler? Le conteneur est là, ne t'inquiète pas, tu auras ta part. Le conteneur est là, hey. Il faut le dire, hein. Tu vas où? C'est de la folie. Oh mon Dieu. Tu n'es qu'un lâche. Très bien. Maintenant, là, toi et moi, nous sommes sur la même page. Hein? Hey! Kripat. Allez, allons-y. Pourquoi dois-je encore vivre? Seigneur, prends-moi. Le mieux serait pour moi de mourir. Seigneur, mon Dieu, prends-moi, je vais partir. Pourquoi est-ce que je dois encore vivre? Mon fils est parti. Oh, je vais rejoindre mon fils. Oh, Seigneur. Nous sommes arrivés à la destination. Sœur Adéré.
Je suis venu te donner un rapport. Dis à Ogochuku de me laisser tranquille parce que je viens de lui donner sa part. Le conteneur est déjà là et il a récupéré sa part. Il y a quoi même? Chima, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu marches quasiment nul. C'est Rader, j'ai dit que mon conteneur vient d'arriver. Tu n'as pas entendu? Il fallait voir ce conteneur. Il fallait le voir, oh. Je n'ai jamais vu ça. J'ai déjà donné à Ogochuku sa part. Ah, voilà. Hey, toi encore là. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Je vais confesser. Ogochuku, je vais confesser, je vais confesser. Écoute, c'est Rebere. J'ai tué Ogochuku. Oui, j'ai tué Ogochuku et j'ai également tué ton mari. Tu vois, je me t'ai dit, lorsque mon conteneur arrivera, je vais te donner ta part. T'es tué et ensuite... Donner à Ogochuku. J'ai donné à Ogochuku sa part, mais il a dit non. Maintenant là, on doit attendre un autre bateau. Allez-y, hou! Allons-y, hou! Voilà donc ce système. Non. Vous avez vu, hein? Merci. Regarde, il joue l'enfant. Oh, vraiment. Qu'y a-t-il? Que veux-tu faire ici? C'est Chima, oh. Chima, votre beau-frère. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Chima, votre beau-frère, oh. Qu'est-ce Chima? Chima, qu'est-ce que tu as fait à Chima? Qu'est-ce que tu lui as fait? Votre beau-frère, Chima, non? Oh, dis calme, la femme, dis calme. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vu en train de se déshabiller, en train de fuir. Quoi? Écoute-le d'abord et entendons ce qu'il veut nous dire. Au lieu de te paniquer comme ça. A-t-il un problème? En tout cas, c'est compliqué. Il ne fait que crier et fuir. Il ne fait que crier. C'est comme s'il est devenu fou. Oh. Hein? Fou? Chima. Fou? Je t'avais interdit d'épouser Chima. Mon frère. Il s'est déshabillé. Chima. Tu vois ce que j'avais dit? Je t'avais interdit d'épouser Chima. Je t'avais prévenu. Quel est ce genre de vie? Hein? Je t'avais prévenu. N'épouse pas ce gars. Il a de la folie dans leur famille. N'épouse pas ce gars. Mais tu ne m'as pas écouté. Regarde ce qui se passe maintenant. Hey, Obi, Obi. Obi, attends, Obi. Obi. Hein? N'épouse pas ce garçon. N'épouse pas ce garçon. Mais tu as refusé d'écouter. Hein? Regarde maintenant. Hein? Allons-y. Tu dis quoi? Mon conteneur est arrivé. C'est vrai ça? Mon conteneur. Bon conseil. Obi,
fille, je t'en prie, arrête de pleurer. Arrête ça. Hein? Je sais ce que tu ressens. Mais Jim n'est pas un bon mari. Il n'est pas bon pour toi. C'est bien parce qu'il a été banni. Cela servira de leçon à toutes ces mauvaises personnes et à ceux qui ont l'intention de les devenir. Ma fille, tu es chanceuse. Sais-tu au moins ce qui t'aurait arrivé? Au beau milieu du mariage, laissais-tu ma fille? C'est une bonne chose parce que cela est arrivé maintenant. Dieu va t'envoyer une bonne personne. Oh, arrête de pleurer. Hein? Ma chère, je ne veux pas que tu penses à Chima même une seule fois. Il est méchant. S'il te plaît. Merci, grand frère. C'est bon. Et je vais t'emmener en ville avec moi. Hein? Ouais, je vais te trouver un nouveau travail et que tu commences une nouvelle vie. Merci, maman. C'est bon. Merci. C'est bien, ma fille. Bien, c'est ce que je vais faire avant que nous ne puissions retourner la dot à Chim. Merci. Merci. Ouais. Et toi, maman? Tu viendras aussi avec nous en ville. Hein? Oui. En ville? Exact. Hey! Alors, on va juste te laver et fais-toi jolie, quoi. Adjamaya, mboum boum. Adjaya, mboum. Adjamaya, mboum boum. Awala, mboum. Adjamaya, neya. Neya. Mboum boum. Mboum.